Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BenjaInvestor.be, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or. Eh bien l'or, comme je vous l'ai indiqué dans le briefing de mercredi, reprend sa pression baissière. Vous avez également averti sur l'article que j'ai écrit pour le site universbourse.com. Si vous avez lu cet article, vous connaissez mon avis pour l'or dans le moyen terme et le court terme également, c'est-à-dire toujours baissier. Premier objectif, un retour sur les 1327, retour qui se fera à mon sens début de semaine prochaine, il faudra pas très longtemps pour qu'on retourne sur les 1327, et on verra à ces niveaux-là si l'or peut tenir ces niveaux, auquel cas, bien, il serait pas étonnant qu'on aille visiter ici cette zone turquoise, qui est la grande fourchette de Andrews moyen terme, avec un retour vers les 1220$. Le support pertinent pour suivant se trouve vers les 1180$. Donc encore du potentiel de baisse pour l'or. Voyons nos indicateurs. Le RSI revient en zone d'accélération baissière, se trouve actuellement vers 27 et peut encore progresser facilement jusque 20, zone en dessous de laquelle on devient plutôt en zone d'exagération baissière, entre 40 et 20, c'est une puissante pression baissière qui se marque. Et sur le MACD, eh bien, on est déjà en inversion MACD, inversion qui s'est faite aux environs du 15 mai, avec le signal qui se retourne également et donc qui va laisser place à une nouvelle pression baissière également. Donc, tant au niveau des indicateurs qu'au niveau du graphique, avec les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, une nouvelle impulsion baissière commence à vraiment à faire pression. Premier objectif 1327 à mon sens pour le début de la semaine prochaine. Et ensuite, objectif un peu plus lointain, les 1220$ sur l'or. Voilà, si vous voulez ne rater aucune de nos analyses, eh bien, elles sont disponibles ici sur la page avec toutes les analyses que je fais de manière hebdomadaire. La mise à jour de ces avis de manière quotidienne dans le briefing. Et pour rien rater de tout ça, venez vous inscrire à la mailing list, comme ça vous serez averti lors de chaque nouveauté, de chaque article ou de chaque nouvelle analyse. N'oubliez pas de partager tout ça sur vos réseaux sociaux et les forums et vous gagnerez aussi votre propre vidéo sur l'actif de votre choix. Merci à tous et à bientôt pour d'autres analyses.